Jean-Baptiste Monnier s'est trouvé une nouvelle pension dans le doublage, comme en témoignent ses nombreux partages sur les réseaux sociaux. Le comédien est devenu ces dernières semaines l'un des visages incontournables de la série Demain nous appartient sur TF1. En incarnant Benoît, il fait trembler la ville de Sète. Lisa, Naïma Rodrigue, a littéralement pété les plombs et elle termine derrière les barreaux alors que son amie d'enfance l'a totalement manipulée. Dans le même temps, Karim, Samy Garbi, cherche le moyen de faire tomber Benoît alors que Sarah, Camille Jeunot, accuse le coup. La folie meurtrière de Benoît continue. Audrey, Charlotte Gaccio, claque la porte, c'est au tour des parents d'Emma, Luna Lou, d'être assassinée. La jeune fille se rend chez son professeur et pointe un couteau en sa direction. Mais le tueur est bien plus malin qu'elle et il parvient à lui retourner le cerveau en la prenant dans ses bras. Pour autant, le départ de Jean-Baptiste Monnier est acté selon les informations dévoilées par la chaîne privée. Le comédien est actuellement en doublage en région parisienne, il n'est donc plus sur les tournages de Demain nous appartient. Par ailleurs, ce vendredi 21 avril 2023 sur TF1, Audrey, Charlotte Gaccio, a une violente dispute avec Damien et claque la porte de l'appartement familial. Dès 19h12, la série quotidienne a été suivie par 2,65 millions de téléspectateurs en moyenne. Jusqu'à 2,88 millions de curieux ont regardé le soap de la chaîne privée selon Médiamétrie. La part d'audience atteint 16,8% auprès de l'ensemble du public âgé de 4 ans et plus. Embellie des audiences pour Demain nous appartient sur TF1 sur une semaine, la fiction gagne 0,2 points de part d'audience. Avec un gain de 0,6 points de part de marché sur un an, tous les voyants sont au vert pour Demain nous appartient. La série a captivé 19,3% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans et se classe leader. En face, n'oubliez pas les paroles doit se contenter de 15,6% de part de marché sur la cible commerciale. Par ailleurs, avec 14,3% de part d'audience chez les 25-49 ans, TF1 est leader en access prime time. 26% des 15-24 ans ont également regardé Demain nous appartient. Un véritable coup de théâtre pour la série qui se retrouve leader sur les cibles commerciales.